Après avoir atteint son pic au cours du XVIIIe siècle, la courbe de l'intelligence humaine est en pleine régression. Toutefois, la baisse du niveau d'éducation de la jeunesse camerounaise depuis le début de la dernière décennie est une réalité. Plusieurs facteurs sont mis en relief et les responsabilités sont partagées. Pourtant, l'éducation, soutiennent les spécialistes, est une affaire collective, sociale et à pluri-échelle. L'éducation commence à la maison par les parents qui inculquent aux enfants les premières valeurs. Ensuite, on a le système éducatif mis en place par le gouvernement qui doit compléter l'éducation transmise à l'enfant à la maison par les parents. C'est une affaire collective. En effet, l'éducation commence à la base et concerne d'abord les parents. C'est maman et papa qui doivent éduquer leurs enfants. L'éducation vient des parents et non du gouvernement, et non des influenceuses. À l'ère du numérique, les parents doivent redoubler d'efforts en vue de garantir une bonne éducation à leur progéniture. Sachant utiliser les réseaux sociaux, tu peux entrer dans Google, cherche des choses très importantes pour toi et pour ton avenir. Internet est bien sûr, mais il peut aussi être très nocif pour certains enfants. En cette 33e édition de la Journée mondiale de l'enfant africain, l'occasion est donnée pour s'appesantir sur l'éducation des enfants à l'ère du numérique.